vino y nada. Muchísimas gracias a todos los que habéis acudido a esta convocatoria de la Fundación Carlos de Amberes, que está orgullosa de reunir aquí en torno al ministro de Asuntos Exteriores belga y vicepresidente del Gobierno, al secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez Vigo, a su antecesor, Diego López Garrido, al ex vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, al director de la representación en España de la Comisión Europea, para sostener un debate. No sin personal emoción veo la respuesta que ha tenido esta convocatoria y el altísimo valor de las personalidades que han querido acompañarnos en este momento. No quiero restar un minuto más, solamente para poner, como se decía en términos taurinos, para poner el toro en suerte, leer los dos parrafitos que han servido de texto para esta convocatoria, que dicen así, porque están bien compendiados. En las actuales circunstancias de incertidumbre social y económica parece existir cierta unanimidad a considerar que Europa es el problema, pero también la solución, aunque la solución tendrá que ser otra Europa, no exactamente esta. Es un problema porque Europa se ha construido sobre equívocos de soberanía. Crear el euro no era simplemente un paso técnico para perfeccionar la libre circulación de mercancías, sino una decisión de naturaleza política que no se concretó en las necesarias transferencias de competencias soberanas en materia fiscal, bancaria y de política económica que requeriría la creación de una moneda única. Pero también es también la única solución real, la de más Europa, que existe, porque la alternativa es la ruptura del euro y el fracaso del proceso de integración y cohesión. Para que Europa se convierta en la solución, no bastan ya los remedios de carácter transitorio. Hace falta una voluntad política para dar ese salto cualitativo en el proceso de transferencia de aquellas competencias soberanas sobre las que se debe de asentar la moneda única y que conducen inexorablemente a la creación de una federación europea, no sé cómo acabará llamándose. En este contexto, Reinders, viceprimer ministro y ministro federal de Asuntos Exteriores de Bélgica, dará pie a una necesaria discusión sobre la actual encrucijada económica, financiera y política de la Unión Europea, al comentar, que es lo primero que va a hacer, lo primero que le pedimos que haga, las decisiones del Consejo Europeo del 28 y 29 de junio y los trabajos del grupo Westerwelle, del que también formó parte José Manuel García Margallo en febrero de 2012. Muchísimas gracias. Des moyens mis à disposition pour aider le secteur bancaire à se redresser ou pour aider les finances publiques à se redresser. Et on a un peu un partage qui s'est parfois fait d'ailleurs de manière très dure dans les termes utilisés entre le nord et le sud de l'Europe avec des tensions qui apparaissent souvent de manière très sensible autour de la table, ce qui fait que en général l'Union européenne ou la zone euro intervient toujours un peu trop tard et avec un peu trop peu d'argent. On dit toujours « too little, too late », c'est un euro trop tard ou un jour trop tard. Et ça, c'est une des préoccupations aujourd'hui. Cette opposition entre les deux tendances apparaît assez forte. Le troisième élément, c'est justement le sommet européen, le dernier Conseil européen, a plutôt tenté de réconcilier ces approches, à la fois en disant « on va continuer l'effort budgétaire, on va continuer à aller vers l'équilibre budgétaire », mais on va aussi prendre des initiatives de croissance. On va demander à la Banque européenne d'investissement, aux fonds structurels, peut-être même à des project bonds,
des obligations européennes liées à des projets, de soutenir des investissements, d'accélérer des investissements en transport d'énergie ou dans d'autres domaines. Donc d'équilibrer les efforts de consolidation budgétaire, les efforts en ce qui concerne la croissance. Et puis, on a dit aussi, on va accélérer un certain nombre de grandes réformes européennes. C'est la note du président du Conseil, Herman Van Rompuy, où l'on a à la fois une union bancaire, supervision sur les banques, mais aussi fonds d'intervention pour aider les banques en difficulté à l'échelon européen ou d'une partie de l'Union européenne ou de la zone euro. Je le répète, le deuxième élément, finalement, la consolidation budgétaire, le retour à l'équilibre budgétaire, mais aussi la croissance. Et les deux éléments font partie de la démarche. Le troisième élément, un rapprochement des législations de fond en matière sociale, en matière fiscale, en matière économique, une vraie gouvernance économique. Et puis le quatrième élément, qui est peut-être un peu plus long, qui demande beaucoup plus de concertation encore avec le Parlement européen, les parlements nationaux, les populations, c'est l'union politique. Mais quand on prend ces éléments, c'est finalement la volonté d'aller vers un renforcement de l'intégration européenne, un renforcement, d'une certaine façon, du fédéralisme. Et ce que je souhaiterais, c'est que cette démarche du Conseil européen réconcilie un peu les différentes approches. Et je peux comprendre que dans les jours qui viennent de s'écouler, il y a un peu d'hésitation à la suite de quelques déclarations, de quelques prises de position. On a de nouveau le sentiment que les deux approches se séparent. Alors pour terminer, je vous dirais simplement que mon souhait, c'est que l'on puisse avancer au même rythme sur la supervision bancaire et l'aide aux banques, le fonds d'aide aux banques, ça peut être le mécanisme européen de stabilité, que l'on avance de la même façon sur la consolidation budgétaire et la croissance, et donc qu'il y ait chaque fois ces deux éléments. Je l'ai dit quelques fois à mes collègues européens, si on fait une comparaison simple, c'est comme l'œuf et la poule. Personne ne sait par qui il faut commencer, mais tout le monde sait qu'à la fin, on a besoin des deux. Que si on n'a que des poules ou si on n'a que des œufs, tout s'arrête. Et donc je crois qu'il faut pouvoir faire les deux en même temps. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir un calendrier clair pour à la fois avancer sur les mesures de partage de souveraineté, sur le contrôle des banques, sur la gestion des budgets, et en même temps avancer sur la capacité d'être solidaire, de mettre des moyens d'intervention en commun, des moyens de sauvetage en commun. Je vous dirais simplement qu'il est un peu absurde de voir que la Grèce fait 2 à 3% du produit intérieur brut de la zone euro, 3% du total de la dette, et c'est un problème mondial. J'étais au Japon, j'étais en Chine, on ne parle que de la Grèce. La Californie pourrait presque faire partie du G7 en tant qu'économie. Elle est au bord de la faillite. On cherche 20 milliards de dollars pour l'année prochaine. Personne n'en parle. Ça n'inquiète pas les marchés parce que le financement se fait par le Trésor américain, par la Federal Reserve, mais aussi parce qu'il y a des capacités d'intervention dans le budget de la Californie par l'État fédéral. Donc voilà, je pense qu'on est au moment de choix importants. Et je voudrais juste vous dire qu'il ne s'agit pas du tout d'abandonner sa souveraineté. Il s'agit de la partager, de faire en sorte que l'on puisse gérer ensemble des situations économiques, des situations sociales, de soutenir la croissance et de venir en aide lorsque c'est nécessaire à ceux qui sont à un moment donné en difficulté. Voilà un peu la manière dont je vois la situation aujourd'hui, en sachant que c'est toujours très difficile de convaincre de part et d'autre les uns d'aider les autres de partager leur souveraineté. Muchas gracias, ministro, vicepresidente. Merci beaucoup, monsieur le ministre, vice-président. Monsieur Fonseca va être le modérateur en tant que directeur de la représentation de la Commission européenne ici à Madrid. Mais avant qu'il ne commence sa modération, je dirais que cette question de qu'est-ce qui est le premier, l'œuf ou la poule, eh bien c'est tout à fait vrai. Un bon ami scientifique, directeur du Musée des sciences de Barcelone et excellent ami, dans un petit livre d'aphorismes, disait que
La question de savoir s'il faut commencer par la poule ou par l'œuf, eh bien naturellement c'est l'œuf. Mais naturellement ça dépend de la poule. Je crois que nous pouvons continuer les interventions. On entendra d'abord Iñigo Méndez de Vigo, secrétaire d'État des Affaires européennes. Merci Miguel Ángel. Toute ma vie, j'ai pensé que c'était d'abord la poule qui était la première. Alors voilà, tu viens de résoudre l'une de mes grandes préoccupations. Eh bien, je dois dire que je suis très heureux d'être ici et de voir cette salle si pleine. Cela prouve que l'Europe nous intéresse. Et cela est fondamental, parce que l'Union européenne ne sera faite que par les hommes et les femmes. Et nous écouter les arguments des uns et des autres est très important lorsqu'il s'agit de prendre des décisions politiques. Et merci d'être entouré de bons amis comme M. Reynés Fonseca, Miguel Ángel Aguilar, et qui sont des personnes qui ont un rôle important dans l'action et la réflexion sur l'Europe. Et je suis certain qu'avec votre participation au cours du débat, nous allons trouver de bonnes idées pour trouver ce fil d'Ariane qui nous permettra de sortir du labyrinthe. Dans l'exposition, dans son introduction, Miguel Ángel se demandait si l'Union européenne ou l'euro vont éclater. Eh bien, moi, j'ai l'habitude du catéchisme où on me demandait « Est-ce que tu es chrétien ?» Eh bien, je disais « Oui, par la grâce de Dieu ». Alors, à ta question, Miguel Ángel, je te dirais « L'euro ne doit pas, ne peut pas éclater, car sinon l'Union européenne éclaterait. Donc, il faut l'éviter. » Lord Turner le disait déjà. Dans son Financial Services Review, il y a 3 ans déjà, lorsqu'a eu lieu cette première partie de la guerre des marchés et ont commencé à apparaître les problèmes financiers, d'abord de l'autre côté de l'Atlantique, ensuite en Europe, il disait, de façon claire et précise, eh bien, cela n'a que 2 solutions, ou on revient aux États nationaux, ou bien nous allons devoir faire plus d'Europe. Et je suis tout à fait d'accord avec M. Turner et en disant, moi également comme lui, qu'il faut plus d'Europe. Alors, en quoi consiste faire plus d'Europe? Eh bien, en suivant la ligne de M. Reynders, eh bien, je crois que le Conseil européen de la semaine dernière nous a donné un échantillon de ce qu'on entend par plus d'Europe, parce que le Conseil, à mon sens, a fait 3 choses importantes. D'abord, d'un côté, consolidation fiscale et croissance. Il semblait qu'il y ait eu auparavant 2 lignes d'action qui divergeaient, qui étaient contraires l'une à l'autre, qu'il fallait décider soit l'une, soit l'autre. Eh bien, non. Il faut unir les 2 choses. Consolider et en même temps donner une impulsion à la croissance. Prendre des mesures fiscales, mais également des mesures du deuxième côté. Et jusqu'à maintenant, on avait peu fait en ce sens. Et il faut donner cette impulsion, comme vient de le dire M. Reynders. Et puis, il y a eu 2 autres mesures importantes, des mesures à court terme pour résoudre des sujets ayant trait à la dette souveraine. J'y reviendrai à la fin de ma courte intervention. Mais il faut prendre des mesures. Résoudre certains problèmes qui se posent à certains États membres, clarifier les choses. Et le 3e aspect, celui qui a fait l'objet de moins de commentaires peut-être, est le mandat donné à Van Rompuy pour qu'il élabore un plan sur ce que sera l'union économique, fiscale et politique. Ce dernier aspect me semble très important et je vais m'y arrêter quelques instants. Je crois que l'Union européenne ces dernières années n'a pas eu assez de plans ni de capacité d'expliquer pourquoi nous nous sommes embarqués dans cette aventure magnifique. Quel est l'intérêt des Européens d'aller de l'avant?
Et Didier Reynders a dit quelque chose de très important que je veux souligner également. Il a dit « Il ne s'agit pas de céder ou de transférer la souveraineté, comme on l'entend dire, mais de partager la souveraineté, de l'exercer ensemble. » Et c'est très important, car il y a encore certains vieilles habitudes qui nous amènent à penser que céder une partie de sa souveraineté est négatif. Et moi, je pense plus à l'aspect positif de ce partage de la souveraineté. Et lorsqu'en Espagne, nous discutions pour savoir si nous devions ou non entrer dans l'euro, eh bien, on parlait à l'époque... Ceux qui étaient contre disaient « nous allons céder notre souveraineté monétaire ». Et je me souviens que j'étais en train de gérer l'hypothèque sur l'achat de ma maison et je aimais savoir ce qu'allait faire la Banque d'Espagne. Et j'écoutais les informations. Eh bien, la Banque d'Espagne avait d'abord fixé les intérêts une heure après que la Bundesbank l'ait fait. Alors, nous aurions une souveraineté formelle, mais pas réelle. Donc, je crois qu'il vaut mieux partager et exercer ensemble cette souveraineté. Et ce n'est pas quelque chose de négatif, ce n'est pas quelque chose que tu abandonnes, c'est quelque chose de positif, quelque chose qui va être exercé conjointement. Donc, le rôle de Van Rompuy est très important. Il a demandé un mandat. Il y aura deux phases, octobre et décembre. Mais en décembre, je pense que nous devrons déjà avoir un plan avec deux grands chapitres. Ce qui peut être fait immédiatement sans réforme des traités et ce qui exige une réforme des traités. Mais il me semble que visualiser le plan, savoir où nous allons, est extrêmement important, car les Européens, contrairement à ce qui se passait dans les années 60, où peu importait où nous emmenait le train de la construction européenne, et bien maintenant nous voulons savoir où nous allons et il est nécessaire que nos dirigeants politiques sachent répondre où va le train, combien coûte le voyage et que vont faire les passagers. Et le commentaire que j'ai laissé pour la fin, et bien c'est les mesures qui sont à prendre à court terme. Et bien le Conseil européen et ces décisions ont été saluées comme une réponse positive pour l'Europe dans un moment de crise. Et je crois que la première réponse positive qui s'appuie sur un plan, sur un projet. Et cependant, en Espagne, mon cher Didier, les Espagnols sont préoccupés car les mesures à court terme dont nous espérions des effets immédiats ne semblent pas nous donner ces effets escomptés. Donc il faudrait demander aux institutions européennes indépendantes et autonomes visualisent également, comme nous, ce plan pour déterminer les conditions de sécurité nécessaires pour être sûr que l'Europe va de l'avant, que l'euro c'est quelque chose d'irréversible. Et nous ne pouvons pas leur demander certaines choses, mais en fonction de leur indépendance et de leur autonomie, je crois qu'ils doivent le faire et je n'ai rien d'autre à ajouter pour l'instant. Eh bien, selon le programme... La parole devrait être à Pedro Solbes, mais comme je suis à Bruxelles depuis 26 ans à cause de Pedro Solbes et j'ai le secrétariat technique de l'économie et il m'a demandé de venir ici, et bien si Pedro me le permet, nous pourrions donner la parole à l'ex-secrétaire européen des affaires européennes. Merci Pedro de cette amabilité qui est la tienne. Je crois que, à mon sens, il y a des principes fondamentaux pour la construction de l'Europe. Et il est possible que l'ensemble de l'Union ne soit pas arrivé à un consensus encore sur ces principes. Il y a des principes fondamentaux. L'unité, on dit toujours unité dans la diversité, car c'est un projet très pluriel, très divers, mais il faut l'unité et la solidarité. Unité et solidarité.
Si ces principes flanchent, le projet européen ne pourra pas exister. Nous en sommes dans une phase de développement du projet européen où il ne suffit pas d'une vision comme celle de certaines forces politiques, simplement un marché intérieur. Certes, c'est important. Un trésor de l'Union, oui, c'est important. Mais dans ce monde globalisé, un marché unique n'est pas suffisant. Le projet européen a besoin d'une âme qui lui donne son unité et qui soit une âme solidaire. Et il me semble qu'en ce moment, alors que se produit un phénomène inconnu jusqu'à maintenant dans l'Union, à savoir la divergence du point de vue économique, c'est maintenant que sont mis à l'épreuve ces deux principes. Ils sont mis à l'épreuve. Et il n'est pas clair qu'il continue de s'appliquer. Et je crois que c'est le problème fondamental. Certes, il y a une divergence dans l'Union européenne pour la première fois dans son histoire. L'histoire de l'Union est une histoire de convergence. Les politiques de l'Union, les budgets, et ce sont toujours des politiques de convergence, des projets de convergence. Ce fut d'ailleurs le mythe espagnol lorsque l'on pensait à l'Union européenne. Nous entrons dans un projet et nous devons converger avec des pays riches, des pays démocratiques, avec respect des droits de l'homme. Et cela était uni à notre lutte pour la démocratie en Espagne. Donc les deux choses sont absolument unies. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? Nous sommes dans la divergence. Ce matin, ce fameux différentiel ou écart de la prime de risque, tout le monde me demande ce que c'est que cette prime de risque, eh bien, ne fait que s'approfondir. L'Espagne a un financement à 7%, l'Allemagne à 1% ou à 0%. Il y a divergence, c'est évident. Et non seulement avec l'Espagne, mais avec l'Italie, le Portugal, l'Irlande, un grand nombre de pays, il y a une divergence systémique à l'intérieur de l'Union européenne. De base, ce n'est pas ce qui se passe dans tel pays, disons en Grèce, mais c'est ce qui arrive dans la moitié de l'Union. Il y a divergence. Et face à ce fait qui devrait nous amener à un stabilisateur qui trouve des formules pour retourner vers la convergence, eh bien, nous ne voyons pas que nous allions dans ce sens. En ce moment, nous n'avons pas confiance dans cette union de l'Union. La solidarité non plus. Nous avons perdu confiance. En ce moment, l'Union européenne, je le pense, vit une crise de projet. J'ai souvent dit que l'Union européenne existe parce que c'est un ensemble de nations, mais qu'elle relève les défis. Elle a su relever le défi de la Deuxième Guerre mondiale, relever le défi de la chute du mur de Berlin, de l'élargissement aux pays de l'Est, a relevé des défis. Et la Belgique a vécu cela de très près et pour beaucoup de raisons. C'est un des fondateurs. En plus, c'est le siège de l'Union. Et maintenant, nous avons le défi de la globalisation, de la mondialisation. Et si l'Europe ne relève pas ce défi, eh bien, le projet européen peut s'effondrer. Et c'est une situation très difficile. Je crois qu'il y a trois choses que doit faire l'Union européenne fondamentalement. D'abord, établir définitivement un véritable gouvernement économique. Certes, c'est une idée qui a été lancée par la Belgique et l'Espagne lorsqu'elles assumaient avec la Hongrie la présidence, pour aller vers ce gouvernement économique avec
les fonds européens de sauvetage, toute une série, le contrôle financier ou la supervision financière, on a posé les bases de ce phénomène. Mais cette volonté n'est pas arrivée à terme. Les eurobonds sont quelque chose d'obligatoire, mais il y a toute une série d'instruments à trouver. De plus, il faut des politiques claires et qu'on soit décidé à les mettre en application. Certaines sont très urgentes et à court terme. À la vue des événements de ces derniers jours, il ne suffit pas d'avoir les instruments. Il faut les utiliser, il faut les appliquer, et c'est cela qu'on appelle la politique. Il ne s'agit pas de les mettre sur un autel et de ne pas y toucher, il faut les utiliser, c'est ça la politique. Et la première fois où une décision politique a été prise pour utiliser ces instruments, ce fut au Conseil européen de l'autre jour précisément. Donc, mise en application de ces instruments politiques, la preuve définitive, nous l'aurons avec ce qui se passe avec ces primes de risque insoutenables que doivent payer des pays comme l'Espagne. Dans ce cas, cette prime de riesgo est insupportable et ce n'est pas seulement un problème de l'Espagne, c'est un problème de l'Europe et de la Banque européenne qui ne réagit pas, mais qui a les instruments pour le faire, mais qui ne les utilise pas, elle ne réagit pas. Et troisièmement, et là, je suis d'accord avec ce que disaient Didier Reynders et Inigo en ce qui concerne ce plan dont on a parlé. L'Europe n'a pas encore une feuille de route politique. Et c'est un des éléments qui pèse le plus sur les marchés. Il y a un manque de définition. L'Europe n'a pas défini clairement ce qu'elle veut faire pour ce que le ministre belge appelait l'union politique. On ne sait pas encore ce que nous voulons faire, ce que nous allons faire avec cette question de la souveraineté. Je ne sais pas si on le saura lorsque ce plan sera sur la table, mais c'est fondamental. L'union que propose qu'a proposé l'Espagne et la Belgique avec la Hongrie, eh bien, est absolument indispensable si nous voulons arriver à cette Europe-là. Et dans une démocratie, dans un pays, dans un continent démocratique comme l'est l'Europe, l'union politique signifie démocratie, plus de démocratie. Démocratisation profonde des institutions européennes, la légitimation, ce qui d'ailleurs donne son pouvoir aux institutions européennes. Et il faudra penser cette légitimation des institutions pour la Commission, pour le Conseil européen, pour que ce soit les grandes références politiques et insuffle l'énergie nécessaire à l'Europe. Ce sont les trois éléments fondamentaux. Gouvernement économique, politique d'application et d'utilisation des instruments existants et une feuille de route vers l'union politique. Et aucun de ces éléments n'a abouti pour l'instant. On a commencé à y travailler, mais on n'a pas abouti. Et l'Europe doit compléter cette tâche. Et voilà ce que je crois que nous devons faire. Merci. Pedro Solbes, merci. Bonsoir. Pour moi, c'est un plaisir d'être dans ce débat. Je vois que nous élargissons de plus en plus le sujet et je vais essayer pour ma part de m'en tenir aux trois points évoqués par Didier Reynders. Il est possible que, comme j'ai vécu une bonne partie de ce processus parallèlement avec lui, sans que nous coïncidions exactement, sa structure m'est tout à fait utile pour exprimer mon opinion sur ces sujets. Alors, tout d'abord, j'évoquerai cette question du changement de vocabulaire.
je pense que l'euro va continuer, que c'est la pierre angulaire de la construction européenne, et penser continuer l'intégration sans euro, c'est quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Cependant, nous avons vu, à cause de la crise, laissant en dehors les erreurs qu'on a pu commettre, nous autres pays, eh bien le projet d'euro n'était pas suffisant. On a lancé ce projet en pensant qu'une politique monétaire avec une régulation très lâche était suffisante, avec une politique fiscale sans restriction suffisante serait suffisante. Et il y a eu deux épisodes en particulier qui ont mis ceci en évidence, la coordination des politiques économiques par des systèmes de recommandations très vagues. Crise de l'Irlande, eh bien, n'a pas fonctionné, et même que le pacte de stabilité n'a pas fonctionné non plus, et d'une certaine façon a été dévoré par ses propres créateurs. Et à côté de cela, il y a eu d'autres éléments. L'union monétaire, elle, fonctionnait. Voilà 10 ans que nous avons l'euro et nous avons eu l'impression que tout marchait bien. Et nous n'avons pas donné la valeur suffisante à des éléments qui étaient importants. L'expansion du crédit, les taux d'intérêt unifiés avec des taux différents pour les pays sans marge de manœuvre, ou bien le rating des agences qui nous classait tous très bas. Comparé à l'Allemagne, nous n'avons pas donné la valeur suffisante non plus au marché interbancaire, qui nous pensions que tout marchait très bien et qu'on pouvait faire passer des ressources d'un pays à l'autre sans difficulté. Et nous pensions que tout était normal, c'était bien normal dans un marché unique avec un taux d'intérêt unifié et des taux de change qui avaient disparu. Donc, les différences. Disons que on a vécu un peu sur nos lauriers. Et est arrivée la crise. La crise a été beaucoup plus grave que nous l'avions imaginé. Il y a un nom que je n'ai pas entendu. L'utilité de cette crise était de nous permettre d'aller plus loin. On disait l'Union européenne, la construction européenne a toujours procédé par crise. Et le moment est venu d'agir. Et cela nous a amené à une réflexion importante. Et certains ambassadeurs ont bien dit que cela posait plus de problèmes à certains pays qu'à d'autres. Il faut savoir si nous voulons aller plus loin ou non. Si nous pensons résoudre les problèmes que pose l'euro, que signifie une banque centrale? Une banque centrale, est-ce que c'est suffisant en fixant un taux d'intérêt ou bien est-ce qu'il doit y avoir un contrôle? La Banque centrale européenne est seulement une banque qui agit sur le marché monétaire sans être prêteur ni banque centrale pour la monnaie. Alors, selon ce qu'on donne comme définition, eh bien, on a plus de fédéralisme ou moins. Le fédéralisme peut nous amener jusqu'où nous voulons. Je n'irai pas aussi loin que Diego et dire que la politique économique peut être unifiée, car si la politique économique peut être unique, alors les politiques nationales ne peuvent pas différer. Et le schéma institutionnel que nous avons en ce moment dans l'Union ne répond pas à ce contexte. Les élections sont nationales, les décisions politiques sont nationales, et donc ce que nous avons, c'est une sublimation à un niveau communautaire, ce qui rend les choses très complexes. Alors, sans aucun doute, se pose la question de plus d'analyse ou non, plus de fédéralisme ou non, eh bien, je suis favorable. Je crois que nous sommes nombreux à l'être. Et cependant, ce n'est pas un secret, chaque fois qu'on a voulu aller plus loin, l'Allemagne a dit oui en avant et la France a dit non. Et pour des raisons politiques tout à fait compréhensibles, raisonnables,
ce sont des problèmes qui sont là et il faut les regarder en face. Et puis, cette division entre le Nord et le Sud, eh bien là, je suis moins d'accord. Je ne suis pas d'accord pour dire que les politiques fiscales et économiques ont été moins fermes au Sud qu'au Nord. Si nous analysons les problèmes de certains pays, eh bien, les problèmes, ce n'est pas dans la politique économique et fiscale, c'est l'endettement privé et l'excès de prêts qui étaient faits par ceux qui avaient des économies plus importantes amassées pendant les périodes fastes. Mais nous pouvons considérer les choses autrement. Si nous avons un déficit des comptes courants de l'Allemagne par rapport aux autres pays de 150 000, 140 000, 160 000 millions par an, comment est-ce que cela est financé? Ou bien avec de l'argent qui vient d'Allemagne ou d'autres zones? Et logiquement, sinon, il y a une chute de l'activité si on cherche un équilibre qui est peut-être négatif pour tout le monde. Il est vrai qu'il y a eu un effort plus grand dans le Nord de consolidation fiscale, mais ni ce problème n'est un problème espagnol ou irlandais. Ça peut avoir été un problème de la Grèce et en partie de l'Italie en ce qui concerne ce problème de dette. Mais je crois que s'il y a eu débat entre le Nord et le Sud en ce qui concerne la... Eh bien, c'est très bien, c'est le début d'un processus, un point de PIB. Est-ce que cela va représenter une grande révolution? Eh bien, non. On est sur la bonne voie, la définition n'est pas mauvaise, mais je pense de toute façon qu'en fin de compte, le vrai problème est l'obtention de ressources sur le marché par chacun des pays, et cela sera fondamental, et tout dépendra de l'évaluation de leurs comptes publics. Et si on ne résout pas ce problème-là, l'impact additionnel sera certes positif, mais insuffisant. Nous ne devons pas perdre l'ensemble des éléments et ne pas penser seulement à la croissance. Alors, le dernier Conseil européen. Eh bien, sur ce point, je suis de ceux qui, en lisant ces conclusions, s'est senti optimiste. Mais je voyais deux problèmes. Le vieux problème, car le démon est toujours dans les détails, et le problème des calendriers, des temps. Les solutions proposées sont très utiles à moyen terme, mais les détails sont fondamentaux. Et ce qui s'est produit dans les heures suivantes, c'est qu'on a commencé à parler des détails et on a vu que les choses n'allaient pas dans la direction que beaucoup espéraient, mais dans une autre direction. L'intervention de la Banque centrale en baissant les taux, mais en disant clairement qu'il n'y aurait pas d'achat de dette souveraine, eh bien, a produit une rétraction du marché. Ensuite, d'autres doutes sont apparus. Que se passe-t-il avec la Finlande, avec la Hollande? Et lorsqu'on a demandé est-ce que c'est le CSF qui va vers le fonds ou bien le mécanisme européen de stabilité, donc ce sera l'année prochaine qu'on aura déjà des normes de supervision, et bien là aussi il y a des doutes et le Conseil disait, et comme ce fut le cas souvent dans la construction européenne, ce sont des mesures conceptuellement bien conçues, mais les calendriers pour leur application leur donnent finalement un impact négatif. Alors ma position rejoint celle d'un grand nombre. Comment résoudre ces problèmes à court terme et penser à moyen terme? Et c'est ce que l'Union fait de mieux, de penser à moyen terme. Mais il faut résoudre les problèmes de court terme. Et ils vont être résolus dans les semaines qui viennent. Hier, enfin, ou avant-hier, il y a eu un article de Martin von Fenn dans le Financial Times et qui, avec sa clarté habituelle, disait, eh bien, tout cela est très beau. Mettre des coupe-feu, dire qu'on va intervenir sur la dette souveraine, mais si on pose des conditions telles
que l'Italie et l'Espagne, 3 billions de dettes souveraines, et ce qu'on met, c'est 500 milliards de la part du fonds monétaire, de la Banque européenne, eh bien, on ne va pas éviter la spéculation. Et il y aura des problèmes additionnels. Ma conclusion pour l'instant. Eh bien, oui, les choses vont dans le sens de leur résolution ces jours-ci, à cause de ce besoin de construction européenne. Ceux qui doivent insister sur la solidarité, comme l'a dit Diego, et qui, au niveau de leurs politiques internationales, avec cette union de transfert et de voyage de ressources d'un pays à l'autre, parlent toujours au conditionnel, c'est-à-dire que jusqu'à la dernière minute, on ne saura pas si c'est accepté ou non. Mais pour d'autres types d'activités, ce qui, pour d'autres types d'activités, peut ne pas avoir d'importance, et surtout pour le marché financier, car il travaille sur la base de ses attentes. Et nous pouvons courir un risque, comme c'est le cas en ce moment, que le financement de certaines économies n'ait pas lieu. Et que finalement, ces impulsions que nous donnons à la croissance n'ont qu'un impact très réduit, car si le flux monétaire ne circule pas vers certaines économies, c'est très difficile que les choses s'améliorent. Et c'est surtout difficile parce que cette espèce de situation de préoccupation latente en Europe et en Espagne, où souvent on est excessivement pessimiste, eh bien, il est vrai que cette croissance qui devrait commencer à se produire, eh bien, ne se produit pas. Et cela a des répercussions également sur des pays comme l'Allemagne qui ne se sentent plus aussi, enfin dans une position aussi confortable qu'il y a quelques mois. Enfin, c'est une opinion. C'est important ce qui va se passer à l'Ecofin cet après-midi, de ce qui se passera les semaines à venir, et je suis convaincue qu'en fin de compte, on trouvera une solution à court terme également, car à moyen terme et long terme, les choses sont bien conçues. Et je crois m'être étendu un peu trop. Bon, excusez-moi. Je me sens obligé, monsieur le vice-premier ministre, par politesse, pour vous libérer un peu de la tyrannie des auriculaires, de dire quelques mots en français. Donc, bon, la première chose, c'est que je m'excuse, je suis pas liégeois comme vous. Donc, alors, si j'étais liégeois et je m'appelais Deus, que ce soit Franklin ou Renault, je pourrais parfaitement résumer ce qui se passe ici. Mais je ne pourrais pas le faire. Ceci étant dit, avant de donner la parole à l'audience, ce qui m'a frappé dans vos interventions, c'est que, en quelque sorte, vous étiez autour de trois pôles. Donc, vous avez, en quelque sorte, comme préalable, vous dites, voilà, on est dans un rond-point de chemin. Diego parlait. La construction européenne, c'est une construction de convergence. Et là, on est dans la véritable divergence. Donc, il nous manque le gouvernement économique. D'ailleurs, je pense que c'était Pedro Solbes qui parlait, enfin, pas de cet article-là, mais d'un article très similaire. Ça suffit de lire Wolfgang Munchau dans cette Bible, dit-on, qui s'appelle Financial Times, quand il nous disait la semaine dernière qu'au fond, on n'a que quatre scénarios possibles, après le Conseil européen. Le fédéralisme, le status quo plus, le status quo ou la dissolution. Et il disait, il y a deux qui ne sont pas possibles. Ni le fédéralisme, ni le status quo sont possibles. Alors vous savez le choix entre le status quo plus ou la dissolution. Vrai ou pas, je ne sais pas. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'après cette sorte de, comment dirais-je, de discussion sur pourquoi nous sommes là, vous avez tous parlé de quelque chose qu'il y a 20 ans, c'est l'objet même des blagues à l'Europe. Donc, même la première ministre Thatcher parlait avec ironie des F-word. Et chacun devait trouver qu'est-ce que ça voulait dire F. Donc, pas la même chose peut-être au niveau continental qu'au niveau. Enfin, et aujourd'hui, donc, je vois des responsables belges, espagnols, qui parlent ouvertement du fédéralisme, qui disent F-word,
M. Renders, et ça suffit, comme dirait notre chef Miguel Ángel, donc ça suffit de construire l'Europe sur la base des équivoques de souveraineté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour assurer un partage de souveraineté? Ça, c'est le seul mot personnel que j'ajouterai. Je pense que partage de souveraineté, ce n'est pas seulement que ça, c'est positif. Je pense que dans l'état actuel des États européens, partage de souveraineté, c'est récupérer de la souveraineté et pas la perdre. Enfin, ça, c'est mon idée. Et enfin, le diable dans les détails, est-ce là possible de trouver une solution? Est-ce que, comme disait Íñigo Méndez de Vigo, comme disait Pedro Solbes, d'un côté, on dirait qu'on sait ce qu'il faut faire, mais est-ce que les mesures qu'on a prises sont-elles adéquates? Elles répondent aux expectatives des marchés, des citoyens, de tout le monde? Est-ce que si l'euro disparaît, l'Union européenne va disparaître? À propos, donc, Joe Weiler dans Le Monde disait aujourd'hui qu'elle pourrait survivre parfaitement même sans l'euro, mais en fait c'est un Américain. Donc, voilà. Et finalement, au fond, tout pour conclure, je pense que vous savez tous en le dire, pour un peu orienter un peu le débat, vous avez parlé d'un véritable gouvernement politique. Donc mon ancien chef Marcelino Oreja est ici, donc nous avons souvent parlé les dernières années de comment le débat institutionnel était devenu un débat old fashion, que ce qui intéressait c'était l'économie réelle, c'était des choses beaucoup plus importantes. Aujourd'hui, à la fin de la journée, je pense que si les institutions européennes ne sont pas adaptées aux défis, si nous n'avons pas un gouvernement économique et si nous devons trouver une solution politique, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourra escamoter le débat institutionnel. Mais enfin, le débat institutionnel et le débat au fond constitutionnel. Toutes les mesures que vous avez mises sur la table exigent de savoir combien des États membres sont disposés à les suivre. Bon, désolé, c'était aussi ma petite contribution. Creo que le débat est ouvert à toute l'audience et naturellement, vous êtes libres d'intervenir en algun de los temas que se han evocado aquí o en cualquier otro. Oui. La vulnérabilité des nouvelles technologies, comme vous le voyez, est grande. Eh bien, je voulais parler de deux choses. Très simple. Parmi les 27 qui étaient habitués, je le crois, au directoire franco-allemand, si ce directoire s'élargit, que s'ajoute l'Italie, l'Espagne, comment envisage-t-on les choses comme quelque chose de favorable ou de défavorable? Ceux qui sont en dehors du directoire franco-allemand, s'ils ne sont pas invités à s'asseoir à la table du directoire, vont-ils se sentir frustrés ou bien vont-ils se montrer dociles? Est-ce que le rôle des institutions européennes ne se perd pas un peu avec ce type de directoire, alors que ces institutions déjà à un niveau un peu bas? Van Rompuy est un grand négociateur, mais il est absent de beaucoup de négociations, et ne disons rien de Mme Ashton, qui pratiquement s'est évaporée. Une contribution fantastique des Britanniques pour éviter que... ils ont poussé Mme Ashton vers le néant. Et une autre chose que je voulais dire... Pourquoi ce vertige de l'Europe? Je me souviens, lors de la course à l'espace, on a lancé Apollon 1, 2, etc. Et puis, peu à peu, le public s'est ennuyé et ne suivait plus les choses. Jusqu'à quand? Quand il y a eu des morts. Un des Apollons est tombé. Et alors là, le public s'est intéressé à nouveau. Eh bien, je ne voudrais pas que pour remplir cette salle, il soit nécessaire que l'Europe soit dans un tel danger. Je crois que c'est pathologique. Ce n'est que lorsqu'il y a un risque imminent, semble-t-il, que tout le monde sent de l'intérêt et se précipite, mais un peu tard, il faudrait établir des feuilles de route
disposant d'un dispositif permettant de renouveler continuellement l'intérêt pour qu'on ne se réveille pas toujours au dernier moment. Bon, algún comentario. Quelques commentaires ou réactions? Je veux bien peut-être donner un commentaire sur deux ou trois points très rapidement, en ayant entendu les différentes interventions. Un, c'est peut-être utile de le dire à Madrid, pour comprendre parfois ce qui se passe dans le nord de l'Europe. Je suis favorable aux euro-obligations, à l'idée de financer un jour, le plus rapidement possible, nos dettes en commun. Mais d'une certaine façon, nous avons eu pendant 10 ans des euro-obligations. Nous avions une monnaie commune, une banque centrale commune et des taux d'intérêt très bas partout. Ce que beaucoup se demandent dans le nord de l'Europe, c'est pourquoi, même s'il y a eu la crise, pourquoi maintenant ces écarts se creusent? Je crois qu'il faut quand même réfléchir à la crise bancaire, à la crise économique, mais aussi à un problème de compétitivité et de voir comment renforcer la compétitivité. Mais on ne peut pas simplement dire aujourd'hui on veut des euro-obligations, on veut une mise en commun des dettes. Nous l'avons eu d'une certaine façon pendant une dizaine d'années. On devra donc aller plutôt vers au moins le gouvernement économique. La deuxième chose, pour rejoindre ce qu'Inigo disait tout à l'heure, le partage de souveraineté, c'est un plus. Je le disais tout à l'heure avant cette réunion, en Belgique, nous l'avons connu. Dans les années 90, notre monnaie, le franc belge, était liée au Deutsche Mark. Toutes les décisions monétaires concernant la Belgique se prenaient à Francfort, dans une banque centrale allemande, avec uniquement des Allemands autour de la table. Depuis que nous avons l'euro, les décisions monétaires qui concernent la Belgique se prennent toujours à Francfort, mais dans une banque européenne, et nous avons deux Belges, y compris le chief economist, autour de la table. Donc partager, c'est parfois récupérer du pouvoir par rapport à ce que l'on fait. Et puis trois, dire un mot quand même de l'évolution de la construction européenne. On ne peut pas se plaindre, parfois, de la place trop grande prise par le couple franco-allemand et puis vouloir le remplacer par un quatuor. Il faut se dire qu'il y a un orchestre plus large, peut-être pas symphonique, peut-être pas à 27, mais peut-être un orchestre au moins de chambre où les membres de la zone euro peuvent être tous présents. Et donc, je veux dire, c'est normal qu'il y ait un moteur, c'est normal qu'il y ait de temps en temps des impulsions données par plusieurs États. Il faut faire très attention au directoire, à l'idée que les principaux États voudraient prendre la responsabilité juste avant les sommets de venir avec des propositions. Parce que ça semble bien passer, et puis on est surpris de voir que très haut dans le Nord, certains se sentent mal à l'aise par rapport à ce qui a été décidé. Donc il faut inclure. Et dernier mot, je crois qu'on ne peut pas se plaindre non plus que les États, pour le moment, soient au cœur du débat. Moi, je regrette parfois que la Commission européenne ou que d'autres institutions européennes ne soient pas au premier plan. Mais dans les moments de crise où on doit décider de partager la souveraineté, il faut d'abord que les États l'acceptent. Donc il est normal que des gouvernements, des chefs d'État et de gouvernement soient en première ligne. C'est eux qui doivent convaincre leur Parlement, leurs opinions publiques, de faire un pas de plus. Mais si on fait le pas de plus, mon souhait, c'est que très vite, ce soit à nouveau les institutions européennes qui prennent le relais. La Commission, qui doit renforcer son rôle, la Banque centrale, qui devra jouer un rôle de banque centrale dans une structure fédérale, et puis les institutions politiques, c'est vrai, Parlement européen et d'autres. Mais au moment de crise, il n'est pas anormal que les gouvernements, les États soient en première ligne. Partager la souveraineté, ce n'est pas la Commission, ce n'est pas la Banque centrale qui peut en décider. Ce sont les différents gouvernements et les parlements nationaux, avec les opinions publiques, qui vont devoir le faire. Voilà les quelques remarques, parce que j'ai l'impression qu'on est assez d'accord sur l'objectif d'avancer dans une intégration européenne. C'est vrai qu'il va falloir maintenant, comme Pedro le disait, régler les problèmes à court terme. À mon avis, ce sera un peu trop tard, ce sera un peu trop cher, mais ça se fera dans les semaines, dans le mois. Probablement qu'on considérera à Madrid que la décision vient trop tard,
Moi, je considérais qu'elle coûte trop cher parce qu'on aura trop attendu, mais elle viendra. En Europe, c'est toujours comme ça. En ligne avec ce que disait. Alors, dans la ligne de ce que disait Didier en répondant à Miguel Angel, eh bien, Diego Carlos Canero, que j'ai vu ici, et j'étais dans la convention qui a rédigé le traité institutionnel en 2002-2003. En vérité, nous n'avons pas fait de progrès en matière de gouvernance économique, parce que personne ne pensait, ou presque personne ne pensait que c'était important. Et l'histoire de la construction européenne, eh bien, c'est cela, Miguel Angel. Ça fonctionne, tu agis quand tu es sur le point de tomber en chute libre. Ça ne doit pas être comme ça, d'accord, mais c'est comme ça. Alors, il y a ces refus ataviques de partager la souveraineté. Tous les gouvernements, quel que soit leur signe politique, sont très amarateguis et ne veulent pas se risquer. Et puis les décisions sont prises à 27, alors ce n'est pas simple. Et ça, c'est la réalité. Et l'autre réalité, et j'espère que ce sera cette fois-ci aussi une réalité, bien à la dernière minute, peut-être à la dernière minute, mais elle est prise, cette décision. Donc, et je suis d'accord, il faut prendre des décisions dans l'immédiat, mais réfléchir à moyen terme et à long terme. Et pour répondre à ta question, ce que je regrette pour ma part, c'est que la Commission ne joue pas un rôle plus important. Il est vrai que dans le passé, l'axe franco-allemand a toujours eu un rôle de moteur, de locomotive. Mais il y avait aussi la Commission qui, d'une certaine façon, avec le talent du président de la Commission, eh bien, souffler à l'oreille de cet axe ce qu'il fallait faire, et puis intégrer le Benelux, et puis s'ajoutait l'Espagne-Italie qui apportait leur grain de sable, et ce paquet était vu comme une œuvre commune. Et ça, je regrette que ça ne soit plus le cas. La Commission ne joue plus ce rôle. Et c'est dommage, parce que, en fin de compte, la Commission, c'est le cœur de tout cela. Et les initiatives législatives devront être présentées par elle. Et je regrette qu'elle ne joue pas ce rôle. Et ici, tout le monde donne son avis. Tous les jours, tu vois des gens prendre des positions qui sont quelquefois contradictoires. Je crois que c'est très bien tout ça, parce qu'il faut réfléchir, mais il ne faut jamais suivre à l'aveugle une lumière ou une autre. Alors, deux ou trois commentaires pour ma part. D'abord, le seul exercice réel de souveraineté partagée que nous ayons ici, c'est la Banque centrale. Et ça fonctionne très bien, avec ses problèmes, mais ça marche. Et deuxièmement, pourquoi ce jeu directoire versus institution? En fait, il y a une tension entre ce qui est communautaire et ce qui est bilatéral ou multilatéral, et ceci de façon permanente. Et cette tension a pris surtout de l'importance dans le domaine de la politique économique. La raison? L'Eurogroupe est un étrange animal qui, au début, était une réunion informelle, mais c'est lui qui prend les décisions et qui conditionne l'ECOFIN. Alors, dans l'Eurogroupe, la Commission n'est pas présente, car ce n'est pas institutionnel, c'est des décisions économiques. Mais le secrétariat de l'Eurogroupe n'est pas de la Commission, elle est du Conseil. Mais pas du secrétariat du Conseil, mais du Conseil de l'Eurogroupe. Et le président du Conseil de l'Eurogroupe fonctionne encore avec un système différent. Bref, tout ça pour expliquer que, finalement, il y a des sujets où on considère qu'il n'y a pas eu cession de souveraineté. Si on ajoute à cela le fait qu'il faut prendre des décisions d'urgence dans une situation de crise comme celle que nous vivons, si nous avions pris les décisions, je suis pro-européen,
Si on avait attendu la communauté pour prendre les décisions, on serait tous en faillite, parce que par la nature même de la façon de faire les propositions, de négocier avec le Parlement, cela exige beaucoup de temps. Surtout si l'on ajoute à cela que pour certains de ces sujets, il y a manque d'unanimité et les décisions doivent être prises à l'unanimité. Alors le Conseil est aussi un étrange animal. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. On a créé le Fiscal Compact, qui est le résultat d'un accord intergouvernemental qui, curieusement, peut aller devant la Cour de justice, mais ça dépend des normes communautaires. Alors, si ça marche, eh bien, chapeau, parce que ce sera vraiment extraordinaire. En fin de compte, on parle d'engagement politique. Et quand il faut le faire, eh bien, ça se fait. Et juridiquement, on aimerait que ce soit le cas. Le rôle de la Commission, et je le dis parce que j'en ai souffert, on en a souffert, eh bien, le rôle de la Commission, c'est le rôle que les États membres veulent bien qu'elle joue. Et s'ils ne veulent pas qu'elle joue ce rôle, eh bien, elle ne peut pas le jouer. Et là, le directoire a son importance, parce que qu'est-ce que c'est finalement ? Un accord franco-allemand, c'est le minimum acceptable pour la plupart des membres de l'Europe continentale, laissant de côté la Grande-Bretagne. Mais ça ne nous plaît pas, mais on peut accepter. Et puis partir de là pour la discussion. Quelquefois, cet accord est nécessaire, surtout dans des situations de crise comme actuellement. Et qu'est-ce que nous souhaiterions ? Comment voudrions-nous jouer? Et moi, je pose toujours une question. Est-ce que quelqu'un voit clairement? J'ai donné l'exemple du président de la République française qui cédait son poste dans le G7 au président de la Commission ou d'un Conseil européen. Bon, je crois que c'est très difficile. Je crois qu'on n'est pas encore arrivé à ce stade. Et il faudra continuer à vivre dans ce monde complexe qui est le nôtre. Pour ma part, je centrerai mon intérêt sur la conjoncture actuelle. Toutes les questions théoriques que l'on peut poser, finalement, nous amènent, comme ce fut toujours le cas dans l'histoire, à une institution, un traité, une constitution qui surgit à un moment donné de l'histoire pour répondre à une certaine situation. Cette année, nous célébrons le bicentenaire de la Constitution de Cadix. Eh bien, cette Constitution est née parce que nous avions été envahis par la France. On luttait contre la France. Et le roi absolu a disparu avec une armée qui était concentrée autour de Cadix, qui était ce qui restait de l'Espagne. Et les autres, d'autres choses, l'indépendance de l'Amérique par rapport à l'Angleterre, et tout ceci s'est concrétisé dans une confédération. Et ce qui se passe en ce moment, eh bien, en Europe, c'est une crise impressionnante. Et c'est à cette crise-là qu'il faut répondre. Et si l'Europe ne répond pas à cette crise, celle que nous vivons, elle n'aura plus de légitimité. Les débats théoriques, très bien, et c'est le problème de l'Union européenne. Et c'est ce que détectent les marchés, d'ailleurs. L'Union européenne n'a pas suffisamment d'instruments ou de volonté pour répondre à cette crise concrète. Quoi que souhaitent certains pays membres, pour qu'ils souhaitent résister, il faut faire un pas constitutionnel, je dirais, dans l'Union européenne. D'une certaine façon, ça a été fait quand on a approuvé le Fiscal Compact, qui implique une réforme des constitutions, la nôtre, par exemple.
pour établir ce principe de l'équilibre budgétaire. Et ce pas-là, il faut le faire. Tant qu'on ne fera pas ce pas institutionnel, en renforçant les institutions, la Commission, le président du Conseil européen, eh bien, fera des choses très conjecturelles, improvisées, parce qu'on n'attendait pas cette crise économique et les compétences sur le gouvernement économique, eh bien, les institutions n'en disposaient pas, c'était aux mains des États. Alors, ce furent les États qui ont dû agir à travers leur gouvernement, car c'est eux qui avaient les compétences. Le budget, l'argent, c'était les États. Donc, si nous voulons répondre à cette crise comme cela se doit, il faut faire des progrès importants au plan constitutionnel. Or, là, nous sommes dans l'impasse. Je sais bien qu'à 27, ce n'est pas facile, mais il faut être décidé au plan de l'Eurogroupe, tous les pays qui ont l'euro. Et ça, c'est l'axe, le directoire naturel des États qui ont une monnaie commune. Et pour l'instant, il n'y a pas un gouvernement suffisamment fort, élaboré, construit sur l'euro. L'Eurogroupe et Giscard d'Estaing, dans un article dans Le Monde, il y a 15 jours, proposait un coordinateur de l'euro. Eh bien, le problème de l'Union européenne, comme le disait Pedro, c'est un problème de prise de décision. Le système actuel de prise de décision est très lent et ne répond pas aux besoins des temps et de la crise, car cette crise exige des décisions immédiates pour être efficace. Et je le répète, il n'y a pas la volonté suffisante de consensus dans les pays de l'Union pour aller dans ce sens. Et tant qu'on n'ira pas dans ce sens, vers l'unité, en ce qui concerne l'euro au moins, nous verrons planer sur nous cette crise et la crise possible de la construction européenne elle-même. Merci. Il y a quelque chose qu'on peut constater aujourd'hui, et merci à l'organisation de la Fondation Carlos de Amberes, à l'ambassade de Belgique et au ministère des Affaires étrangères et de coopération, et aussi à Monsieur le ministre Reinders d'être venu parmi nous. Il y a, disais-je, quelque chose que l'on peut constater, à savoir le grand travail réalisé par les politiciens européens dans leur lutte pour résoudre toutes ces choses qui nous préoccupent tant. Il y a quelque temps est venu en Espagne un économiste éminent, le professeur Krugman, prix Nobel, et il est venu diagnostiquer avec un pourcentage exact de 40% le risque de rupture de l'euro. Et cela m'a rappelé mon grand-père, qui n'était pas du tout économiste ni gourou en ce sens, mais qui était très drôle, et qui, au cours d'un déjeuner avec une de ses filles qui étudiait la chimie, il disait que les ragoûts se faisaient toujours à vue d'œil. Et je représente un groupe de la Belgique, Luxembourg, espagnol, d'entreprises, et je regrette l'absence de quelque chose que nous souhaitons tous. Nous avons besoin de certitude pour récupérer la foi, avoir foi dans la résolution de ces affaires. Comme le disait López Garrido, et qui ne se résolvent que très lentement. Les prises de décision sont trop lentes, il manque un leadership, et cela mène à une stagnation avec des répercussions dans le monde de l'entreprise.
avec des répercussions terribles de la crise. Et si je dis cela, c'est qu'il est nécessaire de récupérer la confiance et il faut éliminer ces inconnues qui sont trop nombreuses. Une question à Monsieur le ministre. Connaît-il à fond la situation réelle de l'Espagne, pas celle que racontent les moyens d'information? Ici, M. López Garrido a parlé de convergence, de solidarité et utilisé toute une série de termes très louables, mais il faut se mettre dans la peau d'un Allemand et voir comment l'argent a été dépensé ici, par qui, et avec le résultat de cette crise que nous supportons, comme les autres d'ailleurs. Mais disons, on a été un peu léger. Connaissez-vous bien le problème de la façon dont l'argent a été dépensé, par qui, comment, etc. Et car je crois qu'au cours des interventions, c'est la personne qui a parlé le plus clairement de la division entre le Nord et le Sud. Merci. Merci au panel et à la Fondation Carlos de Amberes pour ce débat. J'aimerais poser une question. Quel est, à votre avis, les pays qui seraient le plus disposés à céder de leur souveraineté? Et il ne faut pas avoir peur des mots. Cela veut dire la partager entre tous les Européens. Et quels sont ceux qui seraient le plus réticents? Ce serait bien de les citer. Par ailleurs, une réflexion sur les ajustements qu'on est en train de faire, dit-il en français, dans tous les pays du Sud. Sigue en francés. Il continue en français. Dans quelle mesure les intérêts européens pensent à la nécessité de se serrer la ceinture, de faire des ajustements de coûts? Comment voyez-vous cette possibilité de réduction des coûts dans tous les pays européens? Mais l'intervenant continue en français. Je ne sais pas s'il passait à l'espagnol. Vers l'Europe, comment? C'est la même vitesse à laquelle les parlements européens dans lesquels j'étais avant de l'entrée de l'Espagne au marché commun, envoyé par les Nations Unies. Et si la vitesse des institutions européennes pour les souhaits de construire vraiment l'Europe est la même que la vitesse qu'a eu le Parlement européen depuis, par exemple, 1987-88 jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous donner cette possibilité de débat. Je partage ce qu'a dit Diego López Garrido. Dans le fond, nous avons été trop théoriques. Personnellement, d'un père de famille avec deux fils qui ont fini leurs études et qui ne voient pas de sortie, j'aimerais savoir si quelqu'un est à même de me donner des données concrètes pour que nous sachions quand le crédit va continuer à couler dans notre pays. S'il y a inflation avec ces politiques de contrôle de déficit, nous voyons bien où ça nous conduit. Et pour parler de certaines choses, ici, on a dit qu'il était nécessaire d'avoir la fée, la confiance. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec ces mots-là. Ce que je veux, c'est des réponses concrètes pour savoir si mes enfants vont avoir un avenir, si je vais pouvoir les envoyer, continuer leurs études ou travailler dans un pays ou l'autre de l'Europe. Des réponses concrètes, s'il vous plaît. Merci. Je suis
d'accord avec la majorité de ce qu'ont dit les panélistes. L'Europe va se sauver, l'euro aussi. Mais c'est une profession de foi. Car comme vient de le dire l'intervenant précédent, cette méthodologie européenne qui consiste à attendre à être au bord de l'abîme pour résoudre les choses, eh bien ça ne fonctionne pas en ce moment, car les marchés détruisent ce qui est fait. Donc personne ne finance personne. Donc on s'insinue le manque de confiance dans les autorités européennes, dans les autorités nationales, et les primes montent, baissent, la bourse monte, baisse, et en fin de compte, l'impression du citoyen, c'est qu'on improvise des mesures économiques de la part des gouvernements et des institutions européennes, et que cela peut causer de grands dommages. Je ne sais pas quel est le mandat de Van Rompuy. Est-ce que c'est du reporting à un moment clé? En 74, c'était important pour savoir où voulait aller l'Europe. Je ne sais pas si maintenant, alors qu'il faut prendre des décisions beaucoup plus politiques, c'est pourquoi ce que vous avez dit, Monsieur le ministre, sur la Californie m'a impressionné. Eh bien, la solution est là. Cela ne fait aucun doute. On n'a pas de méfiance vis-à-vis du système là-bas, parce que derrière, il y a les États-Unis et nous avons besoin d'une réponse politique. Si on attend d'être trop près du précipice, on va finir par y tomber. Simplement, moi, j'ai entendu parler de confiance et aussi de foi. Je ne suis pas toujours spécialiste en la matière, mais je dirais simplement que j'ai retenu parfois des proverbes, c'est notamment « aide-toi et le ciel t'aidera ». Je veux dire, par là, n'oublions pas dans tous nos pays que l'effort, que la capacité de redonner un espoir à des jeunes notamment, il dépend d'abord de ce que l'on fait dans son propre pays. Et quand on dit il n'y a pas de politique, il y a une politique improvisée, réexpliquer que l'on ne peut pas vivre à crédit indéfiniment, c'est un élément majeur. Il faut donc revenir à des finances publiques saines. Je l'ai dit souvent, Pedro le sait, dans des réunions européennes, la Belgique n'a pas de leçon à donner en la matière, mais elle peut faire part d'une expérience. Nous avons connu un déficit au début des années 80, qui, si on prend les chiffres d'aujourd'hui, était probablement de 16 à 17% chez soi. Et ça, je crois qu'avant d'attendre que la foi revienne et que Dieu aide, il faut peut-être se retrousser les manches et effectivement savoir, et le dire, y compris aux jeunes, qu'il y a des mesures à prendre chez soi d'abord pour trouver une solution. La deuxième chose que je veux dire, c'est que, bien entendu, que la solution à moyen, long terme, c'est le renforcement de l'intégration européenne, avec ceux qui le veulent. Moi, je ne refuse pas que des Britanniques veulent rester en dehors de certaines politiques. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'avancer. Et d'avancer entre ceux qui veulent prendre des décisions plus fortes, plus fédérales. Je sais bien que l'exemple californien peut parfois marquer les esprits, mais il est réel. On doit pouvoir gérer ensemble beaucoup plus et donc partager un certain nombre de politiques. Et trois, je dirais, vis-à-vis des jeunes, il y a un message un peu contradictoire. On doit leur montrer une perspective. C'est clair de faire redémarrer partout en Europe. Mais nous avons quand même un problème en Europe aussi, c'est le manque de mobilité. Par rapport, si je prends au continent américain, où il y a une tradition de mobilité, j'en suis la preuve aujourd'hui, les problèmes de langue peuvent se poser pour freiner la mobilité. Mais si vous avez des jeunes qui se forment, il ne sera pas anormal demain que des jeunes formés dans un pays travaillent dans un autre pays européen. Ce qu'il faut éviter, c'est que le flux soit uniquement dans un sens. Moi, je crois que quand des pays retrouvent alors un chemin de croissance plus forte, on retrouve alors une capacité aussi d'emploi et de développement de l'activité sur place. Mais on le voit déjà aujourd'hui. Il y a des jeunes au Portugal, il y a des jeunes en Espagne qui sont chassés pratiquement par des entreprises allemandes ou, pour ne pas citer d'autres pays que je connais mieux, même parfois dans des pays comme le mien. Mais est-ce que c'est totalement absurde que dans une construction européenne, il y ait parfois aussi des mouvements qui se fassent en termes d'emploi sur l'ensemble du territoire ? La seule chose, je le répète, que je souhaite, c'est que, comme aux États-Unis,
Quand l'automobile connaît un problème à Detroit, il y a une partie de la population qui s'en va, mais quand l'automobile renaît, la population revient, ou une autre population revient. Donc il y aura probablement, dans l'intégration européenne, des mouvements plus importants de population. Mais s'il y a un message à donner à des jeunes aujourd'hui, c'est effectivement un message d'avenir. C'est pour ça que je crois beaucoup à l'équilibre d'abord des finances, à faire des efforts soi-même, à un soutien à la croissance et à une politique où on va partager la capacité de décider ensemble. C'est ça le projet européen. Mais bien entendu, dans une période de crise, et dans une période de crise profonde, je comprends qu'il y ait beaucoup d'hésitations, beaucoup de doutes dans les populations, mais ce n'est pas seulement vrai en Espagne, c'est vrai partout en Europe. Il y a pour l'instant des mouvements populistes, tant à gauche qu'à droite, qui prennent de plus en plus d'ampleur. Il y a des mouvements de protectionnisme. Je crois qu'il faut essayer de convaincre que l'on veut aller dans la direction inverse, mais il faut pour ça des messages rapides. Et Pedro disait tout à l'heure, on doit régler des problèmes immédiats. Maintenant, pour la difficulté, c'est le dernier mot, la difficulté des institutions européennes. Je viens d'un pays où on a dépassé les sommets en matière de difficulté de compréhension des institutions. Je ne vais pas tenter de vous expliquer comment nous fonctionnons. Mais essayer de comprendre comment fonctionnent réellement les États-Unis ou comment fonctionne réellement le Japon, et vous allez y consacrer toute votre vie d'études. Je crois qu'il ne faut pas demander que des institutions qui répondent à une cuisine de fonctionnement soient nécessairement limpides et compréhensibles de manière absolue. Ce qu'il faut, c'est que là où les citoyens doivent s'exprimer, ils aient un vrai choix. Et je crois que le choix aujourd'hui, à l'occasion des élections, on le voit d'un pays à l'autre, d'un État à l'autre. Le choix est quand même assez clair. J'espère que demain, ce choix se fera aussi à l'échelon européen. Moi, je rêve, je le dis de temps en temps, d'un jour où à Londres, à Berlin, à Madrid, à Rome, on attendra le dernier vote dans le sud Luxembourg, en Belgique, peut-être quelque part autour d'Arlon, de Bastogne, et où quelqu'un, comme en Floride il y a quelques années, regardera les bulletins de très près pour savoir qui devient président. Alors, est-ce de la Commission, du Conseil ou des deux? En tout cas, président ou responsable d'un vrai gouvernement européen. Pour moi, ça ne doit pas nécessairement être un président. Mais tant que les Européens n'auront pas franchi ce pas-là, on ne sera pas totalement dans un fédéralisme européen. Alors, il y a encore du temps. Je crois que vous pouvez encore vous attendre à voter quelques fois, d'abord en Espagne, avant de penser à l'Europe. Et j'ai des parlementaires européens de longue date autour de moi qui ont beaucoup travaillé au Parlement européen ou à la Commission européenne. Aujourd'hui, je crains encore que l'ambition des politiques en Allemagne soit d'abord d'être chancelier, en France d'être président de la République ou dans nos pays de présider les gouvernements avant d'être élu en Europe. Le jour où on aura fait basculer ce dernier point-là, on aura peut-être réussi le parcours. Mais ça, c'est le mandat donné sur le moyen-long terme au président Van Rompuy aujourd'hui. Réfléchir aussi à l'union politique. Mais ça prendra du temps. Si quelqu'un d'autre, je ne sais pas si quelqu'un d'autre à la table veut intervenir. Si tel n'est pas le cas, je veux remercier les panélistes, monsieur le ministre, notre ancien ministre et président Pedro Solbes, à M. Garrido, au secrétaire d'État actuel Íñigo Méndez de Vigo, à M. Francisco Fonseca d'avoir été parmi nous. Et je sais bien qu'on serait disposé à rester encore des heures pour discuter, évoquer toutes sortes de questions qui nous passionne de plus en plus parce que tous ces sujets, ce sujet en particulier de la compétitivité, nous interpelle, mon cher ministre, et probablement qu'on se demandera si l'État social européen, si la protection sociale en Europe ne commencerait pas à être considérée comme du lest, et
Est-ce que nous n'allons pas faire aller dans un sens chinois alors que nous avons essayé de convertir les Chinois à l'Europe? Enfin bon, je crois qu'il y a d'autres choses sur vos agendas. En particulier, nous avons une remise de prix à M. Diego López Garrido et à M. Inigo Méndez de Vigo. Cette remise de médailles, de décorations, aura lieu dans la chapelle de ce bâtiment. Je vous y invite et ensuite je vous invite à prendre un verre pour célébrer cette remise de décorations. Pour la Fondation, ce fut une journée mémorable dans un programme très long de débats qui se poursuivent sur l'Europe soumise à débat. Et je vous remercie tous et vous attends pour les prochaines occasions.